Oui, je suis de retour. Vous savez, les gars, en fait, vous n'avez pas ce qu'on attend de vous là. Ce n'est pas que vous soyez nécessairement beau, ce n'est même pas la chose la plus importante. Mais ce qu'on attend, c'est-à-dire le minimum, c'est qu'il y ait une fraîcheur. En fait, la beauté ne détermine pas la fraîcheur. Yeah. Et puis ça, le problème. Mais la fraîcheur détermine la beauté. Oh, et tu trop d'aise. En fait, un gars, ce n'est pas qu'on va le voir, dit le tchia, mais le beau, c'est ça qui a fatigué. Mais il y a une fraîcheur. Il y a des gars qui ne sont pas particulièrement beaux, mais ils connaissent. Les agencements. C'est-à-dire, tu sens que le gars a une maîtrise de son corps et de son âme. Je ne sais pas comment expliquer ça en d'autres mots. Je ne sais pas. J'ai vu, j'ai dit, dernièrement quand j'étais à Abidjan, j'ai vu, tu vois, tu sais pas si tu as dit c'est un tonton ou bien c'est un grand frère. Mi-tonton, mi-grand frère. Je le connais pas, hein, j'ai vu arriver à trois. Il était devant une banque. Je sais pas si c'est passé d'être devant une banque qu'il était aussi frais. Non, mais non, ça n'a rien à voir. Je suis très objective. Mais il y a une tenue qui, moi, m'a marquée et qui me marque, que moi, j'estime que tous les hommes devraient avoir. Vous voyez les boubous. C'est pas, en tout cas, c'est matière boubou. Mais c'est en chemise façon, avec le pantalon là, ça arrive ici, manche longue, légère broderie ici, et puis le pantalon. Et puis tu fromponnes une babouche. Mais ça, c'est glorieux. Le blanc. J'ai vu des gars comme ça, Abidjan, avec des. C'est surtout le blanc. Ça donne un truc. En général, la broderie qui est ici là. C'est pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi c'est quand c'est pas beaucoup qu'il y a un genre. Enfin, vous voyez, il y a des gars là qui sont déjà posés. Tu as mis ton ton, mis grand frère. Tu sais pas, tu détermines pas bien son âge là. En général, ils ont beaucoup de comptes en banque. C'est pas lié à ça, mais je vais vous faire un truc. Une liaison quand même. Tu vois ici, il n'y a pas beaucoup de. La broderie là, c'est léger en fait. Parce qu'en général, il a un compte. Il met pas de l'argent dessus tout le temps. En fait, en général, ce compte-là même, il a oublié. C'est son compte qui contient la plus petite somme. Donc, en général, il est là et puis il se rappelle. Attends. J'avais fait un compte dans une banque là. J'avais ouvert un compte là-bas, mais. Oh. Et puis, check, il dit, ah bon? Je savais pas que ça existait même et tout ça. J'avais oublié ce compte-là. Il y a quoi? C'était un truc, une histoire de. Peut-être 4 millions, 5 millions. C'est dit, la petite somme détermine la broderie qu'il a sur le haut de son vêtement. Ma bénie, tu n'es plus simple. C'est dit, c'est léger. Il a peut-être 5 millions. Tu sens que c'est une broderie qui vaut juste 5 millions. C'est pas trop. Il n'y a pas beaucoup. Et puis la barbe. Je ne vous parle pas des barbes roux qui poussent. C'est dit, maintenant là, les Djandjou, en tout cas Abidjan, beaucoup sont venus, hein. Beaucoup veulent, beaucoup de. Je te parle des barbes où les poils là sont pas dispersés. Je dis c'est dressé, ordonné. Tu sens que les poils sont civilisés. La barbe parle. Je te parle de ce genre de barbe qui te disent, ouais, je suis posée. Mais avec la tenue qui va avec. S'il vous plaît, les gars, pardonnez. Si vous voulez, ne soyez pas beau. Ne soyez pas trop galet aussi, hein. Mais la tenue là. Il faut ça. C'est dit, il y a des corps même qui sont. Oh non! C'est dit, légère broderie, pantalon, et puis tu frappes babouche là-dessus. En tout cas, moi, ce moment-là, ça prie mon cœur. Hein?